Bonjour et bienvenue, on est reparti dans Dead Space et possiblement le dernier épisode. On s'est équipé pour la fête. On est bien équipé. On a la batterie, on y va. Sérieux? Non mais je viens vous aider. Je sais pas pourquoi il nous attaque. La dernière fois j'avais parlé de ça. Ouais, je sais plus trop. Nicole est plus là évidemment. C'est joli la forme du monolithe quand même. C'est bien, ces deux cornes entrelacées, c'est sympathique. On dirait qu'il est éteint le monolithe. Ah non, il fait quand même des ondes autour. Même des ondes. Oh, ça va être un bordel ici. Oi. Non. Je sais pas comment je suis passé. Oh, putain de merde. Quelle merde. Oh là là, mal joué. Pas une griffe ça. D'accord. Non. Levé de la quarantaine. Il te manque, Isaac. À l'équipe du Caldiron. Oui. Et tes parents. Ta mère était une mythologue. Elle était croyante. Tellement croyante que ça l'a tuée. Est-ce que c'est ça qu'elle aurait voulu? Si c'était le cas, est-ce que ça faciliterait les choses? Heureusement, je ne le saurai jamais. Mal joué. Faut que j'utilise... J'ai toujours un peu peur d'utiliser le laser parce que je me dis ouais, on va en avoir besoin et tout ça. Mais en fait, faut que j'y aille franco, quoi, parce que sinon on va devoir
payer tout ça avec des soins. Et ça, c'est pas bon. Parce que les soins, c'est cher. Donc, go, piou piou piou. Allez. Est-ce qu'il va avancer tout seul? Ok, il va avancer tout seul. Je suis quasiment sûr qu'il fallait utiliser la télékinésie dans le premier. Je pense qu'ils l'ont enlevé parce que ça servait pas à grand chose en fait. C'était plus chiant qu'autre chose. Ou alors c'est peut-être plus tard, hein, je sais pas, mais. Fallait le genre le tirer en fait. Même la première fois où on le récupère, le marqueur là, enfin le monolithe. Où il y avait les tentacules, il y avait deux tentacules là qui nous attaquaient. Je suis quasiment certain qu'il fallait aussi le tirer. Mais bon, honnêtement, ça apporte rien au gameplay, c'est juste chiant à faire en fait. Isaac, il n'y a pas de courant dans ce secteur. Ah. Le monolithe ne bougera pas, on perd du temps. C'est bon. Appuie sur tester la connexion, ça dit quoi? Panne d'alimentation détectée. Générateur d'attache, contrôle de la gravité. Une des attaches de gravité au sol. Peut-être une ligne électrique endommagée, je m'en occupe. Fais vite. On ne peut pas échouer maintenant. Qu'est-ce que c'est que ça? Établir l'électricité. Okay. Oh, merde. Ah putain. Oh wesh. Merde. On a plusieurs. Gaspillage. Quel gaspillage. Charger le cutter, mais comme j'ai dit, on va pas vraiment. Ah, il est chargé déjà. On a limite envie de le poser, quoi.
Oh, il y a une boîte. Connexion de la carte de sécurité. Combien? 3 points. 3 points de force. Bah du coup c'est moins long et moins chiant si on doit pas vraiment le bouger. Bon, on va s'occuper du courant là, de rétablir le courant. Entrée dans le contrôle de l'arrimage. Saut de contamination croisé enclenché. Wow. Oh la vache. Alerte. Alimentation principale interrompue. Générateur d'arrimage hors service. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça me dit pas grand-chose, ça, par contre. Je crois que ça c'est les turbines qu'il va falloir faire. Là ça m'a fait peur. Les turbines qu'on va devoir faire tourner je pense. Et les tentacules, les blocs. Enfin les hélices là. Oui, j'en ai vu que deux. Oui, la troisième. Ouais. Je sais pas. Batterie. Bah. Ah merde alors. Excusez-moi. Vous avez une batterie au-dessus peut-être? Ou alors il faut monter pour la voir. Ah oui, du coup, oh mon dieu, on coupe le courant du... Oui, voilà. Maintenant, on se contacte. Ah, super. Courant du générateur ouest rétabli. Courant du générateur d'arrimage rétabli. Paré pour le redémarrage. Ça va être fun. Il nous faut plus de vie. Hein. Oh! Tu as réussi, Isaac. Le courant est revenu. Reviens vite au monolithe. Le site d'excavation est juste en face. Ne faisons plus qu'un. Je
peux passer par la cage d'ascenseur ou pas? Ouais, non, j'imagine que non. Donc on va devoir passer par là, c'est fun. Fais toi. Calmé. Je sais pas si ça sert à quelque chose, hein. Trois balles pour les tuer ou deux? Non, deux. Ah, vache. Merci. Est-ce qu'on doit détruire les autres? Les autres tentacules ou pas. Bon, allez, on avance parce que... Ah putain, mais il y en a partout de ces mecs. Encore que ça me pousse pas vraiment. Je crois que c'est juste de la perte de munitions. Oh la vache. Bon. On se casse. Let's go. Sortie d'une zone en zéro gravité. Merde.
Putain. Ah, on a bien fait de sortir les grosses armes. Putain. Ça va. On n'a pas trop pris cher en fait. Ça va. Par contre, j'ai utilisé de la stase. Enfin, une charge quoi. Est-ce qu'il y a un établi pas loin? Non. Non, c'est pas ça que je vais faire. Qu'est-ce que tu me fais Oh! Ok, j'ai un bug. Ok, j'avais un bug de l'inventaire. Ouais, j'avais un bug étrange, c'est comme si l'inventaire était sorti, enfin j'étais dans l'inventaire, mais en fait le jeu m'a pas compté comme si j'étais dans l'inventaire, c'est un peu bizarre. C'est pas grave, tout va bien. Zéro soin. Je vais recharger le... ça aussi. Très bien. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah, je les ai rec... Ok, j'ai fait de la merde. Alors, 4. 2 chargeurs pleins. 2 chargeurs pleins. 2 chargeurs pleins. Les... Si, on en a plus que 10. De réserve, on a 2 gros soins. Ça devrait aller. Si vraiment on a besoin de... d'argent, on vendra le reste. Ah, du coup, quand j'ai fait B pour sortir de l'inventaire, j'étais pas vraiment dans l'inventaire. Oh putain, ça m'a fait peur. Ça m'a fait utiliser du soin, donc on est full maintenant. Très bien. Sauvegarde avant. Bah ça va beaucoup plus vite que dans mes souvenirs pour l'original. Là on devrait être à l'extérieur déjà, je pense. Ah non, j'ai rien dit. Aïe, ouais, non, il y a encore pas mal apparemment. J'espère que ça va pas être trop long parce que quand même, c'est un peu relou. Oh mon dieu. Mmh.
Mais c'est quoi? If you are here. Oh putain, je vois rien. C'est tout flou. If you are here. You are in love. Quoi? Come back with issue. Je le comprends rien du tout. Pas seul. On va monter avec ça. On est bon. On est bon, on est bingo bingo. Très bien. Je me vois mal. Putain, je me vois mal jouer avec le. Avec le cutter quand même, hein. Là, hein. À moins que vraiment le l'upgrade là qui permet de faire tomber soit vraiment très bonne, mais bon, m'étonne rien. Genre quand on tape au corps à corps. Personne derrière moi. Mais bon. Qu'est-ce qu'il est bien ce lance-flamme. Le bruit, les dégâts. Tout est bien en fait de ce lance-flamme. C'est vraiment top. Ok, on a fait le tour. Quoi ça, Maker? Après, je pense qu'on peut gruger les monstres en prenant l'élévateur. Monter, descendre, mais, monter, descendre. Mais bon. La plupart du temps, ils bloquent les issues et tout quand on doit combattre, donc c'est bien fait. Mais jamais vraiment à l'abri en fait. Après, les ennemis ont moins tendance à prendre les aérations quand vous changez de zone. Tout le long du jeu, j'ai remarqué ça. Ils attendent souvent à la porte en fait. Alors, je sais pas si c'est voulu ou c'est juste l'IA en fait qui ne fonctionne pas des masses.
Enfin, après, ils sont très agressifs dès qu'on ouvre la porte, ils nous attaquent. Hein. Mais ouais, dans l'original, enfin même dans tous les Dead Space, ils ont toujours. Dès qu'on est ailleurs, ils vont dans une un conduit d'aération en fait. Bon, après, peut-être qu'ils le faisaient un peu trop aussi. Dès qu'on changeait de zone, ils vont directement dans un conduit. Ils essayent de s'échapper. Donc du coup, on pouvait passer de salle en salle et un peu utiliser leur façon de faire. Ah voilà, ça y est. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est un peu moins long que l'original, je pense que cette partie était relou, enfin dans mes souvenirs c'était relou. Là non. Là moins. Là j'en avais un peu marre sur la dernière salle. Mais au final elle était rapide, donc ça va, c'est cool. Oh la vache. Et merde! On peut faire le tir normal. Enfin, quoi qu'honnêtement, je crois que c'était 14 le max, on est à 11, donc du coup on a utilisé 3. Comme un tir chargé. Le laser est super. Vraiment super. Eh merde. Il n'y a que 2, 3. Ah, le lance-flamme augmenté là, la distance, ça chauffe hein. Ah, je suis content. Alors là, il n'y a rien d'autre. Ah, c'est fun. On a vraiment un superbe arsenal. Superbe. C'est quoi ça? Journal de patient. Alors, j'ai mis en quarantaine les anciens docteurs Clifton et Hogan. On est barricadé à l'intérieur. J'ai l'intention de tenir un journal complet, quoi qu'il se passe là-bas. Il semble y avoir différents vecteurs d'infection. Il faut que quelqu'un garde une trace. Si le signal du monolithe peut changer un corps à distance, nous devons le savoir. La poitrine du corps du docteur Clifton a commencé à gonfler comme s'il prenait une grande inspiration. Quelque chose semble se produire sous la surface de la peau. Le corps convulse, il y a un liquide jaune saumâtre qui jaillit de la bouche. Il s'étouffe, mais il... Oh mon dieu, j'espère que c'est une libération du gaz. Ok, maintenant il y a eu... L'œsophage gonfle et la mâchoire est en train de lâcher. Sa tête se divise en deux. Oh mon dieu, le truc quoi. Elle est en train de se déformer, on dirait presque une trompe avec des antennes. La poitrine se divise désormais en son centre. La poitrine se sépare en deux et elle s'étend
Elle s'étend vers l'extérieur. Il y a trop de détails. Elle s'étend vers l'extérieur alors que les organes internes, les muscles et les os sont reliés vers l'intérieur. Puis-je avoir un scanner? Non, le scanner, merci. Donc, les organes internes sont réorganisés. C'est une structure. La structure n'est pas, il semblerait qu'il y ait un organe central rassemblant à une énorme vessie. La vessie est remplie d'un liquide dont une partie s'écoule de la trompe de la créature. J'en déduis que les deux doivent être connectés. Les jambes tremblent violemment, la chair se décolle et fusionne avec la chair de la poitrine. Merde, la jambe vient de se plier en arrière et l'autre vient de craquer au niveau du genou. Il commence à s'asseoir. Il semble entièrement réanimé. Est-ce qu'on peut... Allô, la sécurité, quelqu'un de libre pour pratiquer une euthanasie? Ce n'est pas possible, je dois vraiment faire... Non mais sérieux, oui, là tu le tues le machin. Les éclaboussures sur le verre rendent l'observation difficile. J'ai manqué la transformation du docteur Hogan, mais ce n'est pas le... Ses jambes s'allongent, on dirait qu'elles balancent toutes seules. Et elles se tordent avec un mélange de ses propres organes internes. En un seul appendice, on dirait une sorte de queue. Son visage se contorsionne, sa mâchoire se serre et se desserre. C'est, on dirait qu'il se mâche lui-même. Plusieurs appendices qu'il ressemblent à des mâchoires sortent de sa bouche, mais ils ne peuvent pas s'adapter à la... Sa tête s'ouvre aussi, comme celle de Clifford. Je ne peux pas. Bruit de vomissement. il fait le tour de la pièce, ce n'est pas comme Clifford, on dirait qu'il chasse. Est-ce qu'il me voit? Non, les conduits, il se dirige vers les conduits. Sécurité, sécurité, il y a quelqu'un. Bruit d'impact, hurlement, le bruit de mastication organique. Donc c'est comme ça qu'il s'est échappé. Je crois qu'il y en a un qui se transforme en xénomorphe, genre avec les griffes, qui marche. Genre celui-là qui a les jambes les jambes inversées, là en haut, le premier, là, comment il s'appelle? Hogan, je crois. Non, Clifton, je crois. Clifton. Et Hogan, il s'est transformé avec celui-là qui a deux bras et une queue, là, je pense. Excusez-moi. Ouais, je crois que c'est ça. C'est le lance-flamme que je voulais faire au début, puis après j'avais le laser dans les mains. J'ai tiré au laser, quoi. Mais c'était le lance-flamme, je voulais mettre une explosif au sol, en fait. Alors, fais voir, toi. Avoir encore une autre. Ah, c'est ça le piédestal. Putain, c'est vraiment un vrai piédestal en plus. Ok. Je pense qu'on est bon. Ouais, c'est un vrai piédestal. Fais voir un peu ça. Ah, c'est chelou quand même.
Qu'est-ce qu'ils font? Wow! Putain, il marchait tout doucement! J'ai le temps de... Ok, je pense que j'ai le temps. Oh, vache. Ok, c'est parti. Merci, Isaac. J'ai toujours eu foi en toi. Nicole. Enfin. Chargeur activé. Nous ne formons plus qu'un. Alerte d'urgence. Attache gravitationnelle géo-orbitale active. Charge tectonique libérée. Impact imminent. Oh! Générateur, pour gagner du temps. Vas-y. Oh, c'est en train de tomber. C'est en train de tomber. Surface est sur le point de tomber. Je t'ai donné une chance de changer d'avis, Isaac. Mais si tu comprends toujours pas, je vais t'aider une dernière fois. Contournement du lien rig. Cette fois, regarde jusqu'au bout. Isaac, c'est moi. J'aurais aimé te parler, mais... Ah, ça y est. Je suis désolée. Je suis désolée pour tout. J'aimerais juste pouvoir parler à quelqu'un. Tout s'écroule ici. J'arrive pas à croire ce qui se passe. C'est étrange. Une si petite chose. Juste comment parler. Voilà toutes ces recherches en fin de compte. C'est pas grand chose, hein. Comment lui faire entendre alors qu'il ne voulait que la convergence? Moi, je souhaitais autre chose. Il a parlé. Et puis, écoutez. Arrêtez. Arrêtez ça, je lui ai dit. Il a peut-être compris, mais...
Waouh. Oh, bien. Oh, ça tue! Nicole est morte depuis le début. Tu pouvais pas le supporter, pas vrai? Parce que si elle était morte... Au moins, il sera entre de bonnes mains. Le monolithe ne manipulera plus personne. Donne-moi les commandes du chargeur. Non. C'est fini. Nous ne sommes plus qu'un. J'attends, ça suffit, je me répéterai pas, Cross. Non! Il y a assez de morts! Alors, allez-y. Oh la salope. C'est mieux comme ça, Isaac. Tu ne te remettras jamais de ce que le monolithe t'a fait. Et quand la charge tectonique tombera, tout sera enterré. Exactement ce que veut le gouvernement. Pas mal. Alerte. Augmentation de l'activité sismique. Évacuation des lieux. Vraiment bien fait le twist. J'ai bien aimé là. Je sais que c'est là qu'il s'en rend compte, mais ouais, enfin, je pensais pas qu'il y avait Cross dedans, dans l'original. Enfin, comme ça, quoi. Donc nous, on voyait Nicole, et l'autre, elle voyait Jacob. Oh. Ah, ah, ah. Il y avait le truc qui avait pas chargé. Ah, le bordel, quoi. La navette. Je peux encore y arriver avant qu'elle parte. Ah ouais. Très bien. Et ben. Ah, vous le sentez la fin ou pas là? Et voilà, maintenant on est de retour ici. Très bien. On a 100 gars. On a 100 gars. Là, c'est ça. On va prendre du laser. Je vais voir. On va aller charger nos armes. Enfin, charger, les améliorer. Alors, le choc laser. Alors, ça, c'est de tir, dégâts de tir principal. Nous, il faut du secondaire. Là, on a, concernant le rayon de l'explosion du tir secondaire, on peut le prendre. Hop, on est à 800. Là, c'est temps de rechargement. Je dirais pas non pour capacité. Moins taille du projectile tir secondaire. Voilà, nickel. 1000 de dégâts. Ok. Maintenant, je pense que... Ah, on peut reset notre... Pour simplement 5000, on peut reset notre cutter. Ah, ça nous fait 6 points de plus. Alors, l'assaut, il est au max. Le découpeur, il est au max. Le lance-flamme, les dégâts, ils sont max. Le choc laser, je veux bien augmenter ça. Le tir principal, capacité rechargement, la capacité en munitions. 22. L'air de feu brûle plus longtemps.
machin. Ouais, les grenades qui explosent, ça m'intéresse pas. La stage, je sais pas si on va en avoir besoin, mais pourquoi pas, au cas où. Je pense qu'on est bon là. Je pense qu'on est bien là. Et on a encore pas mal de... On va prendre des soins. Voilà ça. Voilà, 160. Lance-flamme. 110. Ça. 15. Et là on est à 25. Ouais, on est nickel là. On est nickel. On va prendre... On va le déplacer vers le stockage. Il y a peut-être un peu trop de laser en fait. Les flammes. Il faut des flammes. Okay. Je pense que c'est pas mal là. On n'a plus de soins. Je pense que c'est pas mal. Est-ce qu'on peut se recharger la stase? Non. Ok. Je viens d'utiliser un soin apparemment parce qu'on n'était pas vraiment full, mais je viens d'utiliser une stase. Là, on... là tout est... toutes nos armes ont des... et les dégâts au max, donc c'est nickel. C'est nickel. Voilà. On a encore 25 000 de crédit, on va sauvegarder. On a encore 25 000 du coup, si jamais... genre le combat est mauvais, genre il nous manque plus de soins, on veut plus de trucs, quelque chose, on pourra encore en acheter. Et on a encore des réserves pour vendre et pour faire des crédits si jamais on a besoin. Parti. Dernier avertissement, Isaac. Je rigole pas. Attrape ma main, Isaac. Pitié. Ah. Oh non. Aïe aïe. Oh, toutes les boîtes, la vache. Le mec il pète un câble. Le mec il pète un câble. Oh merde, on crache dessus. Je crois que ça, ça va être des bestioles. Thank you.
marche ou pas là, ça marche pas. Hein. Je crois que ça, les ça, ou ça fait des dégâts à moi, ou alors c'est des bestioles qui apparaissent. Oh mon dieu. Savoir ce qui se passe devant derrière moi. Oh, oh. Je vais faire le gros tir directement. Oh oh oh, assis. Attention. Ouais, là, je suis un peu bloqué. Ça dure longtemps cet acide sur le sol là. À la dernière minute, comme ça on n'a pas besoin de trop bouger. Ça va, ça va, on voit. Ok. Encore rien. Non. Ok. Bien, 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 bien. Ouais, à chaque fois, il nous bloque en fait une partie de l'arène. Oh, deux. Ah ouais, non là c'est pas cool. Ok, là maintenant c'est que de l'acide. Hein. On a eu les deux ? Non. Oh merde. Oh, 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 oh. Ok, 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 faut bouger. Elle est grosse l'arène. Très bien.
On n'a pas vraiment besoin de faire un tir chargé, honnêtement. On n'a pas l'air d'être très très résistant. Mais bon, c'est stylé. Je sais pas pourquoi le deuxième coup a pas connecté. Le premier, je me suis loupé, mais le deuxième... Oh, oh merde. Merde. C'est bon, on l'a eu. Oh la vache. C'était la merde pour viser. Est-ce que le gros bloc va lui tomber sur la gueule? La reine mère. Ok. On rentre. Yay! Marqueur qui est juste là, pas le monolithe. Waouh, c'est rapide, hein. Oh, ça c'est tu, ça tue. Eh, joli le casse là quand il se défait. Ouf. Et le visage est tout sale et tout. C'est super beau, super bien fait. Isaac, c'est moi. J'aurais aimé te parler, mais je suis désolée. À la limite, je préférais le jumpscare de Dead Space 1, de l'original. Je préférais quand même les effets en fait de l'original, par contre, pour le jumpscare de fin. On la voyait un peu... Pas nécromorphe, mais on la voyait avec la couleur de... Un peu jaunâtre là. Enfin, c'était différent. C'était différent. Hop là. Bah, c'était sympa. C'était très sympa. Y a rien à redire. Honnêtement, très très bon remake. Hein. Extrêmement bon remake. Pour moi, c'est un des meilleurs remakes qui est sorti. Mes préférés restent quand même Resident Evil 2 remake. Final Fantasy VII remake, même si le gameplay avec la caméra de... qui se bloque dans les murs, qui... Enfin bref, la caméra c'est un peu une catastrophe, mais sinon l'histoire était magnifique de Final Fantasy VII remake, surtout si vous avez joué à l'original. Et ben Dead Space 1 remake, il est là, hein, il est dans le top, il est vraiment dans le top. Que ça soit gameplay, graphisme et tout, petit rajout d'histoire par rapport à Isaac et tout. Faut que je regarde s'ils ont... S'il n'y a pas une autre fin ou des crédits ou des trucs en plus. Parce que ça m'intéresse. Voir un peu s'ils ont fait du plus en fait.
Donc vraiment cool, vraiment vraiment cool. J'ai rien à redire honnêtement. Que je réfléchisse 3 secondes genre sur les mauvais côtés du jeu. Est-ce qu'on a eu des mauvais côtés de jeu? Non, pas vraiment. 50K, 10 points, journaux textuels obtenus, tenue rig de soldat avancé niveau 6. Ah, ça y est, on a la... Ok. Donc niveau 6, c'est secret en fait. Votre action a été sauvegardée et vous avez débloqué la nouvelle partie plus. La nouvelle partie plus qui n'existait pas hein, dans Callisto Protocol, lol. Elle a été rajoutée genre 3 mois après la sortie ou 4 mois après la sortie, un truc comme ça. Ah, c'est débile quoi, de pas avoir du NG plus dans un jeu comme ça. Genre on peut dire ouais, God of War 1 et 2, ils avaient pas aussi NG plus à leur sortie. C'est vrai, mais bon... Hein, God of War, pour le finir à 100%, c'est une cinquantaine d'heures, ou un peu plus, même 60 heures, un truc comme ça. Donc bon, c'est pas comme si le jeu était court, donc on n'a pas vraiment d'un NG+, mais après ça a été rajouté par la suite. Mais ouais, Callisto Protocol était super court comme jeu. Je sais pas combien de temps j'ai mis pour le finir, 12 heures peut-être, un truc comme ça. Je crois qu'on est à 20 heures pour Dead Space 1, on est à 20 heures en difficile. Donc ça c'est cool. On va peut-être relancer une partie vite fait en NG+, pour voir les ce qu'on a débloqué. Ah, il faut trouver un machin là. Merde, un établi pour l'armure. Merde. Enfin non, il faut trouver un magasin pour l'armure. Voir un peu ce que c'est. Nouvelle partie. Partie terminée. 75, 150. Point de force 10, difficile. 20h29. Très très long quand même. Enfin, pas très très long dans le sens où c'est mauvais, non, il est quand même très long hein, comme jeu. Comme j'avais dit, c'est un bon jeu. Lancement d'une nouvelle partie bleue conservera les armes, les objets, les crédits et les améliorations de votre partie terminée. Vous pouvez les récupérer dans le stockage de n'importe quelle boutique que vous rencontrez. Vous pouvez vous attendre à affronter de nouveaux ennemis et peut-être trouver de nouveaux mystères à découvrir. What? What? À affronter de nouveaux ennemis et peut-être trouver de nouveaux mystères à découvrir. Merde. Histoire. Isaac inflige beaucoup plus... Ah oui, du coup, ouais, on remet en difficile. What? Ils auraient fait en sorte que le NG+ soit différent? Parce que normalement non, c'est les mêmes ennemis, c'est la même histoire, tout est pareil. Plus nous on a joué en difficile, donc en théorie il devrait y avoir zéro surprise. Mais là, s'il y a des nouveaux ennemis et des nouveaux mystères, ah ouais, let's go quoi. La seule chose que j'ai en tête qu'on aurait oublié, qu'on n'aurait pas fait... Est-ce qu'on peut passer? Par contre je crois qu'on peut pas passer... Ouais non, ça j'avoue ça c'est relou. Ouais, on peut pas passer l'intro du jeu. Ok, du coup, on est de retour. Ici, j'ai coupé. Je voulais aller voir un établi et tout ça, mais si le jeu nous dit qu'on a des nouveaux ennemis et des nouveaux mystères et tout ça, peut-être qu'il va avoir des secrets, une fin secrète, des trucs en plus. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je pense que je vais faire du NG+, enfin, du nouvelle partie plus. Je pense en vidéo, ça ira un peu plus vite, et voir si ça vaut le coup. Je vais peut-être d'abord me renseigner si ça vaut le coup, hein, sinon je le ferai. C'est pas la peine de faire des vidéos dessus, enfin, c'est pas vraiment intéressant, c'est le même jeu. Mais ouais, je vais aller voir. Donc on aurait l'armure niveau 6 débloquée, donc ça c'est bien. Et on a quasiment toutes nos armes déjà augmentées. Et comme ils disent apparemment, nouveaux ennemis et nouveaux mystères, donc... On peut voir ça. Mais en tout cas, voilà, que dire sur le jeu. Comme j'ai dit pendant les crédits, très bon remake. J'ai dans l'espoir, parce qu'ils ont quand même changé le visage en fait de Isaac. Donc je me suis dit que peut-être ils ont dans l'espoir, peut-être, hein, de refaire le 2 et le 3. Ça serait vraiment bien. Si Electronic Arts est pas bête et voit les ventes en fait de Dead Space Remake, voit que les gens ont vraiment apprécié que bah du coup voilà, moi je dis go pour remake du 2 et du 3.
Ils peuvent changer un peu l'histoire et tout, rajouter des choses. Parce que maintenant, ils ont l'expérience, en fait. C'est pas l'expérience de faire des jeux vidéo, c'est pas vraiment ça. C'est l'expérience, en fait, de ce que les gens ont aimé dans Dead Space. Par exemple, je sais que la plupart des gens n'ont pas trop aimé le 3, parce que c'était trop action et tout, machin. Honnêtement, les gens ont aimé Resident Evil 4, alors que ça a strictement rien à voir avec Resident Evil 2 et 3, hein, je veux pas dire, mais c'était plutôt de la survival horreur. Le 4, c'est du bourrinage tout le long, hein, et puis le 5, ça a été juste pire, et le 6, c'est pareil. Mais bon, les gens, des fois, n'aiment pas des choses un peu étranges, je sais pas. Il y en a qui ont aimé Callisto Protocol, alors qu'ils n'ont pas aimé Dead Space 3, moi je comprends pas pourquoi. Ce Dead Space 3, c'était nettement mieux niveau action, et Callisto Protocol, c'est pas un jeu qui fait peur, c'est un jeu action, surtout, avec des monstres. Mais Dead Space, le premier du nom, reste encore un peu côté peur oppressant et tout ça. Donc s'ils veulent refaire le 2 et le 3, moi je dis go, let's go, parce que c'est une bonne opportunité, c'est un bon début en fait de remake, puis c'est une franchise que les gens aiment, et puis une fois qu'ils ont fait le 3, parce que si vous n'avez pas fait le 3, bon, c'est pas du gros spoiler, mais en gros l'histoire continue 1, 2 et 3 de suivre Isaac, et elle devient en fait de plus en plus élargie avec les nécromorphes et tout ça, et ils arrivent même sur, pas, ils arrivent pas directement sur Terre, mais ils approchent de la Terre en fait. Et en gros, et puis honnêtement, c'est pas que des nécromorphes avec des rennes et tout, c'est des trucs gigantesques, c'est des tueurs de monde en fait, presque. Et ça devient super intéressant en fait. Et dans le 3 et avec le DLC, on voit qu'il y a une suite où les nécromorphes pourraient peut-être arriver sur Terre. Et là, ça devient vraiment intéressant. Mais bon, du coup, après, Visceral Games a été explosé et tout, et ils n'ont pas continué Dead Space en fait. Donc, go, refaire le 2, faites le 2 remake, faites le 3 remake, et après faites un 4, en fait, par la suite. Et vous continuez votre franchise, en fait. Et Dead Space peut être une franchise comme Silent Hill, parce que Silent Hill, il y en a eu beaucoup plus que 3, hein. Il y en a eu 6, je crois, ou 7, en tout. Les Resident Evil, il y en a une chier, il y en a une quinzaine de jeux en tout, hein, si on compte les spin-offs et tout ça, hein, peut-être une quinzaine de jeux. Et Dead Space, il y en a eu seulement que 3. Et le troisième, bon, comme j'ai dit, il n'a pas très bien marché. Donc là, c'est le moment. Là, c'est vraiment le moment. Si vous voulez, si Electronic Arts n'est pas trop con et qu'ils veulent vraiment faire de l'argent sur ça, parce qu'ils ont fait du bon boulot, hein, c'est bien de faire de l'argent sur un truc qui fonctionne. Et puis, honnêtement, ils ont une très bonne équipe. La Motive Studio, ils ont fait du très très bon boulot avec ce qu'ils avaient. Donc, go faire le, refaire le 2, go refaire le 3. Et puis, si Motive Studio est assez motivé, lol, non, est assez compétent surtout, go un 4, go un 4, go faire un 4. Et on étoffe l'histoire, on rajoute des choses et tout. Ah, moi, je suis complètement pour. Je suis complètement pour. Donc ouais, très bon jeu, je le conseille. Je le conseille énormément. Voilà, ça sera la fin de cet épisode, et je pense que moi je vais aller me renseigner du coup genre les différentes, parce que sûrement sur Google il y a déjà tous les trucs, tous les secrets et tout ça disponibles. Donc je vais aller me renseigner moi si ça vaut le coup de refaire le jeu en nouvelle partie plus, sinon je pourrais peut-être le faire en stream, je sais pas trop, voir un peu les rajouts, si ça vaut le coup de les faire ou pas, mais voilà. À la prochaine, merci beaucoup d'avoir regardé, j'espère que vous aurez aimé Dead Space. Dites-moi ce que vous pensez de Dead Space 1, remake, original, le 2, le 3, ce que vous pensez en fait de la franchise, mais ouais. C'est vraiment une histoire intéressante, c'est aussi intéressante que les Resident Evil en fait, avec les différents virus et tout ça. C'est vraiment cool de lire un peu du Wikipédia, du fandom de Wikipédia et tout ça sur Dead Space, c'est vraiment cool. À la prochaine, ciao ciao.